Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos puisque vous êtes aujourd'hui 17 942 milliards à me suivre toutes les semaines sur Internet. Voilà, vous connaissez le principe de cette rubrique, je vous propose un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, voire pas du tout, et on essaye de découvrir ensemble. Faut que je mette de l'huile. Ce qu'il veut dire. Voilà, alors aujourd'hui, le mot que je vous propose, c'est celui-là. Thébaïde. Que veut bien pouvoir dire Thébaïde? C'est simple. On regardera dans le dictionnaire après, ok, mais c'est quand même simple. Bah, Thébaïde. Il y a le thé noir, le thé vert, le thé au citron, le thé à la menthe, le thé au jasmin, et il y a le Thébaïde. Tout simplement. Non, mais j'ai voulu faire simple aujourd'hui parce que j'ai appris qu'il y avait des teubés qui regardaient aussi cette rubrique. Alors, comme il faut être tolérant et puis voilà, quoi, être ouvert aussi à l'inclusion de tous et de toutes. Donc voilà, pour moi, Thébaïde, c'est une sorte de thé. On regarde. Alors... Elle n'y est pas. Ah, il est là. Oui. J'avais pas vu, c'était caché. Alors, Thébaïde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il est con ce dictionnaire, mais alors tout est faux. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des fake news. Voilà. Ça m'énerve. Pourquoi je l'ai toujours avec moi, je sais pas, parce que je m'y suis attaché. Voilà, bon, bah désolé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot. Voilà, qu'on connaît pas ou qu'on connaît. Salut.